Et bonsoir tout le monde. Ben voilà, hein, je vous disais, la vie est un jeu, c'est génial. Tout le monde attendait des réponses et on n'en a pas. Et ben non, c'est comme les masques, il n'y a pas de réponse. Et nous avons notre premier ministre qui a passé une heure à tourner en rond. Je vais vous le dire, je ne vais pas tarder à vous le dire, je vais vous le dire dans quelques instants, ça ne va pas tarder, je ne sais pas. Peut-être, à moins que, il faut voir, éventuellement, et que sais-je encore. Voilà où on en est. Résultat des courses, eh ben, on n'est pas plus avancé. Bon, il y a une chose qu'on sait, hein, les enfants, maternelle et cours primaire, tous à l'école. Et sans masque. Non, pas de masque pour eux. Niette. Non, ils n'ont pas le droit. Les enseignants, ils ont le droit. Les enfants, ils n'ont pas le droit. Les enfants, ils ont le droit de se filer le virus entre eux, mais les enseignants, ils sont protégés. Voilà. Donc, les enfants, pas de masque. Vous comprenez bien qu'un mètre de distance pour un enfant de cours préparatoire ou cours élémentaire, le mètre, c'est pas vraiment le genre de truc qui est vraiment très... qu'ils ont vraiment en tête, hein, donc ça va être un petit peu compliqué cette histoire. Alors ils n'auront pas de masque, le 1 mètre de distance, ça va être un peu compliqué, hein, au moment de la récré, voire même au moment de rentrer en classe. Alors, il y a la classe une semaine sur deux, ouais, ou une semaine sur trois, ou un jour sur deux, ou... voilà. Ah, on est vachement avancé avec ça, je vous dis, moi, on va pas la gagner, la guerre, hein, avec des gars pareils. Allez, à la tête de l'État, on va pas la gagner, la guerre, je vous dis. Sérieux, non, mais sérieux. Alors d'abord, on envoie les enfants au casse-pipe. Ah ouais, avant on envoyait les soldats au casse-pipe, maintenant c'est les enfants. D'abord les enfants, au casse-pipe. Après, plus tard, les collégiens. Après, encore plus tard, les lycéens. Et tout ce beau monde va se retrouver à la maison plus vite que prévu. Parce que, eh ben, ils n'auront pas été testés. Les masques, c'est au petit bonheur la chance. On en a, on n'en a pas. Et voilà. Alors, si après ça, vous pensez pas qu'on n'est pas dans un jeu, hein, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Hein, ou dans un gros foutage de gueule, ou dans un je m'en foutisme royal. Hein, ça aussi, ça marche. C'est bien. Bon. À côté de ça, vous allez avoir tous les magasins. Donc, vous allez pouvoir vous agglutiner dans tous les magasins et aller pouvoir faire vos courses tranquillement puisque tout va ouvrir, donc ça va être génial. Alors ça va être des listes interminables chez le coiffeur et puis chez les esthéticiennes pour les femmes, hein. Ça va être dans les bus, oh, je serais curieuse de voir comment ça va se passer dans les bus et dans les trains, parce qu'ils disent une personne sur un siège, sur un rang. Hein. Donc les bus en général, je ne sais pas si vous êtes déjà monté dans un bus, hein, mais un bus c'est deux places, hein, sur deux rangées. Voilà, avec un couloir au milieu. Alors imaginez une personne assise chaque bout. Une personne par de chaque côté. Hein. Il va falloir combien de bus pour transporter tout le monde qui va aller bosser? Pareil pour les trains, hein, à faire comment? Ben, va falloir qu'il, du coup, plutôt que de mettre l'argent sur Air France pour faire voler les avions, va peut-être falloir qu'ils mettent l'argent dans les bus pour en construire, parce qu'il va y avoir quelques-uns, hein, ben oui. Parce que une personne, enfin, il y a deux rangées, allez, dans un bus, vous mettez une dizaine de personnes, grosso modo. Quand vous voyez tout le monde qu'il y a le matin agglutiné entre ceux qui vont au travail, ceux qui vont à leur vie, etc. Ça va être un joli bordel. Ça va être un joli bordel. Wow, vive le déconfinement. Top. Je trouve que ça va être top.
Ouais, bon, après, on ne pourra pas aller travailler au-delà de 100, on pourra pas se déplacer au-delà de 100 km. Et la personne qui part de Paris à Marseille pour aller bosser et qui rentrait tous les soirs ou une fois par semaine, niette, pas le droit. Tu restes chez toi, fais tes travail, ou alors bah, tu restes au chômage, tu fais comme tu veux, tu vas pas bosser, pas plus loin de 100 km. Et ouais, bah, ici, nous, on est dans le sud, hein, du côté de Nice. Bah, Marseille, ça fait 300 bornes. Et ben, celui qui va de Nice à Marseille, et ben, et dans le cul, lui, il pourra pas. Voilà. Ouais. Mais par contre, les enfants, ouais, au front. Allez, allez, on se débarrasse des gamins. Sérieux. Ils ont rien trouvé de mieux, quoi. Ils n'ont rien trouvé de mieux. Ben, ils savent pas quoi faire en fait. Et bah oui, quand on a le cul entre les deux chaises, hein, c'est comme ça se passe. Hein. Bah ouais. Quand on, quand en fait, il y a la balance de l'économie, hein, et puis il y a la balance de la santé. Et les deux ne sont pas compatibles. Enfin, non, elles ne sont pas compatibles. Parce que quand on met en danger la santé pour l'économie, je me dis qu'il y a quand même un problème quelque part. Parce que moi, je ferais passer la santé avant l'économie. C'est plus important, la santé. Hein. L'économie, on verra ça plus tard quand la santé, il n'y aura plus de problème. Hein. D'abord, on se soigne. On fait tout ce qu'il faut pour soigner. Hein. Et puis après, bah, l'économie, on verra. On aura toujours le temps d'y penser plus tard. Hein. C'est pas urgent. De toute façon, les petites entreprises, elles se sont déjà cassées la gueule. Alors il y a que les grosses qui tiennent. Hein. Bah, donc, je veux dire, le mal est fait. Je pense que ça pourrait faire de plus, hein, le mal est fait. Donc, normalement, hein, dans un monde qui tournerait rond, où tout irait bien, où ce serait à peu près correct, hein, on ferait penser à la santé d'abord. Et puis, on n'enverrait pas les gamins à l'école alors qu'on est encore en pandémie. Hein, parce que même si, soi-disant, les malades ont diminué, les morts ont diminué. Ça ne veut pas dire pour ça que le virus s'est barré. Non, on n'est pas encore en été, les gars. Non. Et puis, je vous signale qu'il résiste à plus de 40 degrés, le virus. Ouais, bah, on est loin de les avoir, les 40 degrés, hein, même ici. Hein, j'aime autant vous dire qu'on n'y est pas encore. Hein. Donc, non, mais ils sont prévisaires, parce qu'en plus, ils ont déjà prévu qu'il y aurait peut-être éventuellement, deuxième retour à la maison fin mai, début juin. Ouais, ben oui, ben forcément. Mais c'est logique. Ça serait même logique. C'est imparable. C'est imparable. Alors, moi, je vous conseille de ne pas jeter vos attestations hein, parce qu'elles risquent de vous servir d'ici quelques semaines. Hein. Je pense que ça va. Je vous dis, ça va être. On en a au moins pour 2, 3 ans avec cette histoire. Hein. Que ce soit vraiment, parce que vous allez voir hein, que là, pendant l'été, il va se calmer, hein, on va être moins malade, les autres malades ils vont venir, on va se rappeler qu'au final il n'y avait pas que ce virus, hein, qu'au final il y a quand même des gens qui sont malades du cœur, qu'au final il y a quand même des gens qui sont malades d'autres choses, d'autres maladies en dehors de celle-ci, hein, et toutes les autres maladies bah, elles vont revenir. Hein, donc voilà. Et puis bah, quand l'automne va arriver, toutes les maladies vont disparaître pour laisser place à un virus, un nouveau, qui aura muté entre-temps, hein, parce qu'il aura eu 2 mois pour muter, pour se faire toute une transformation et tout. Et vous allez voir, ça va être génial. Oh, c'est génial. Hein, je vous dis, mes enfants, bah, si on ne fait pas quelque chose, on n'est pas sorti de l'auberge. Bah, c'est comme ça. Parce que avec les gens qu'on a à la tête du gouvernement, ben c'est pas gagné. Ben c'est pas gagné. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que ils nous disent, il y a des témoignages hein, qui disaient, ah ben ouais, mais nous, on attendait une réponse, hein, on attendait qu'ils nous donnent des réponses, qu'ils nous trouvent des solutions. Ah ben tiens, bah vous pouvez toujours non, les solutions, s'ils en avaient. Ah, ils en ont pour eux, hein. Ouais, ils en ont pour eux. L'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Voilà. À partir du moment où vous leur apportez de l'argent, pour eux, ça va. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de microbes, il n'y a plus de virus, il n'y a plus, tout va bien.
Mais si vous leur apportez pas d'argent, non, 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 là, ça va plus, ça va plus, ça va plus, ça va plus, ça va plus. Voilà. Bon, bah, écoutez, hein. Chacun joue son jeu à sa manière, hein. Chacun s'amuse comme il peut, hein. C'est con parce que là, eux, là-haut, ils ont décidé de jouer avec nous, avec notre santé. Voilà, hein. On n'y fait rien, hein. Chacun joue le jeu qu'il peut et eux, c'est notre santé. Enfin, c'est surtout la santé de nos enfants, au final, hein, puisque les enfants, première lignée, hein, et les plus petits en plus, hein, mais, crèche maternelle et cours préparatoire, hein, du CP au CM2. Allez, à l'école. Ouais. On dégage. Oh, bah, ça fera moins d'enfants, je vous le dise. Mon enfant, voilà. Donc, plus de liberté aux parents pour aller travailler. Bah ouais, ils ont plus les enfants à s'occuper. Plus de liberté aux parents pour aller travailler. Et voilà. Et comme ça, ils gagneront plus de sous. Et puis, ils travailleront encore plus parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils ont pris les enfants. Donc, ils travailleront encore plus pour pouvoir oublier le chagrin. Et puis, voilà. Sans compter que ça va... en dehors que les enfants risquent de tomber malades, voire pire. Bah, ils risquent aussi de ramener le virus. Et du coup, il va faire. Il rentre le soir. Bonjour maman, bonjour. Bonsoir papa, bonsoir maman. Et puis, papa, maman, ils vont faire la bise aux copains, copines qu'ils n'ont pas vues depuis longtemps, à la famille, etc. Et puis, ça va être une jolie pagaille. Voilà. Vaut mieux le prendre avec le sourire, hein, qu'est-ce que je vous dise, hein, parce que si vous commencez à le prendre du mauvais côté, là c'est foutu, hein, ça là c'est antidépresseur, suicide, et tout ce qui est réservé, voilà, donc on le prend avec le sourire, et puis on se dit que si on attend après eux, c'est pas la peine, hein. C'est des incapables, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est pas un jugement, c'est un constat, c'est des incapables, voilà, ils pensent qu'à leur gueule, ils pensent qu'à leur porte-monnaie, et nous, nous, on fait comme on peut, avec les moyens du bord, c'est-à-dire zéro, zéro, que dalle, voilà, mais tout va bien. Ouais. Puisque tout le monde trouve ça normal et que personne ne se révolte, c'est que tout va bien, hein, tout le monde est content, hein, le 11 tout le monde va partir au boulot, ça va être génial, les enfants à l'école, ça va être génial, et voilà, hein, tout le monde est content, hein, et ben voilà, tout le monde est content, et surtout l'État qui est content, hein, parce que il s'est pas assez foutu d'argent dans les poches avec les contredanses qu'il a passées en outrance, hein. Maintenant, il va nous faire travailler. Puis, il va nous faire croire que la dette, c'est de notre faute. Hein. T'es en confinement, hein. On est tombé malade. Fallait pas tomber malade, fallait pas avoir le virus. C'est à cause de nous qu'il a fallu faire un confinement. Et du coup, c'est à nous de payer. Bah, tiens, voyons. Hein, voilà. Voilà, hein, les dernières du front, hein, c'est le cas de le dire. Les dernières du front. C'est les dernières du front. Donc, écoutez, si vous avez encore confiance, si vous faites confiance, si vous avez encore un quelconque espoir, c'est que vous n'avez rien compris à l'histoire. Non, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Et je suis désolée pour vous, hein, mais premièrement, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Hein, et deuxièmement... risque d'y avoir de sacrés problèmes et autres que ceux qui sont là maintenant. Hein, ouais. Mais vous avez raison, il n'y a pas de mal. Faites leur confiance, écoutez-les, écoutez ce qu'ils vous disent, obéissez à leur loi, mais tout va bien et tout va bien. Et tout va bien, et tout va bien, si vous voulez. Et oui, voilà. Bon. Moi, je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Donc, je fais ma révolte de mon côté. Hein. Bon, je suis toute seule, c'est pas grave. J'ai la lumière qui m'éclaire. Bon, là, le soleil il cache derrière les nuages. Et en plus, il est passé de l'autre côté de la colline. Donc, il n'y a plus de soleil. Voilà. Il est clair encore, mais il est un petit peu... il a été scouché. Il était...
Désolé. Il était désolé pour la France, là. Il était désolé. D'ailleurs, il pleut en France. Une grande partie de la France est sous la flotte. C'est pour vous dire hein, à quel point il s'est caché sous les nuages tellement. C'est comme les corbeaux. Hein, ils volent sur le dos pour pas voir la misère qu'il y a ici. C'est ridicule. C'est pathétique. Et vous croyez encore un monde comme ça, vous êtes aussi pathétique que sérieux, aussi pathétique que c'est pas possible, vous y croyez encore, c'est ça qui est marrant, c'est que plus ils vous enfoncent, plus ils vous mettent dans la merde, plus ils vous montrent ce qu'ils sont au final, des bons à rien, des incompétents, des incapables, et plus ça fonctionne, et ouais, on a toujours dit, hein, on peut... Il n'y a pas meilleure cachette que d'être au vu de tout le monde. C'est ce qu'ils font. Ils se cachent plus, ils sont au vu de tout le monde. Et ouais. Du coup, tout le monde les voit, mais personne ne les regarde. Voilà. Et tout le monde les croit. Enfin, une bonne partie des gens y croient. Ceux qui ne croient pas sont deux. Deux parties. Celui qui a envie d'aller leur casser la gueule et qui vont commencer les manifs dès qu'ils vont pouvoir le faire. Hein? Bon, c'est peut-être pas la meilleure solution, ça, je suis pas d'accord avec ça, mais enfin bon, chacun fait ce qu'il veut. Et puis il y a ceux qui sont dans leur coin et qui mènent la guerre silencieuse. Ah oui, désobéissance citoyenne, la guerre silencieuse, voilà. Moi, à 54 balais, avec la fibro et un cancer que j'ai réussi à soigner... Je ne vais sûrement pas aller me taper la gueule dehors avec leurs flashballs et tout qui sont prévus et leurs gaz lacrymo et qu'ils se sont mis les masques de côté pour justement pouvoir envoyer du mal sur le peuple quand il va sortir. Non, je ne ferai pas ça. Non. Moi, ça sera plutôt de l'autre côté. C'est plutôt tranquillou bilou dans ton coin, en douceur, hein, surtout tu montres un petit peu comme les serpents. Hein. D'ailleurs, je suis serpent dans l'astrologie chinoise, hein, c'est bizarre, hein, mais c'est un peu comme ça. Allez-y, on va contourner, s'arranger. On peut, si on veut. Voilà. Le tout, c'est de vouloir. Donc voilà, notre grand jeu continue. Hein, et voilà, tout va bien, madame la marquise. Un château est en feu, mais tout va bien. Les pompiers ont plus d'eau, ils ont plus de camions. Ils ont plus rien. Bah, ils peuvent pas venir éteindre. Donc du coup, bah, le château brûle. Bah, le château brûle. Et on n'y peut rien. Si vous avez des seaux, ah, c'est rien. Pour éteindre le feu du château. Après ça, je vois pas tout ce qu'on peut faire. Hein. Voilà. Donc, bah, écoutez, comme d'habitude, hein. Chacun décide de ce qu'il veut faire ou pas. Vous avez jusqu'au 11, hein, ça reste encore un petit peu, hein, un petit peu de temps pour réfléchir et puis pour prendre les bonnes décisions. Hein, parce que franchement, là, c'est une aberration totale. J'ai même pas les mots. J'ai juste envie de rire. J'ai envie de rire parce que c'est d'abord. La bêtise humaine, elle n'a pas de limite. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pas mon problème. Moi, je vous dis juste que ça m'a bien fait rire, parce que je me doutais bien qu'il n'allait pas trouver de solution. Et du coup, bah, moi, ça me fait rire. Ouais, ça me fait rire. Moi, ça me met en joie, parce que... Je sais pas, ça me met en joie. Voilà, je suis contente. Je suis contente. Ça se casse la gueule, je suis contente. Je suis super contente. Alors non, je vais pas crier, je vais pas gueuler, je vais pas. Je suis super contente, je suis super heureuse. Et pour moi, c'est... Voilà, je comprends pas. C'est génial. Bon, bref. Eh ben, je vais pas vous embêter davantage, hein, parce que vous l'avez sûrement entendu aussi bien que moi. Maintenant, est-ce que vous l'avez compris comme moi? Je sais pas, hein, parce que peut-être qu'on joue pas le même jeu, en final, hein, je sais pas. Donc, bah, écoutez, en attendant, bah, prenez bien soin de vous, hein, parce que jusqu'au 11, le microbe est encore assez important. Après, le 11, il n'y aura plus rien.
plus de problèmes, hein, mais d'ici le 11, il est quand même assez important. Donc, prenez soin de vous, hein, restez confinés chez vous et restez chez vous pour sauver des vies. Hein, parce qu'après le 11, il va y avoir pas mal de petits soucis. Donc, restez chez vous. Comment dirais-je ? Je ne sais même plus. Sauver un maximum de vie maintenant, parce qu'après, il n'y aura plus besoin. Après ça se fera tout seul, il n'y aura plus besoin. Donc, plus sérieusement, je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment le meilleur de tout mon cœur. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin de la terre, prenez soin du monde et surtout prenez soin de votre santé parce que sans votre santé, vous ne pourrez pas aller travailler. Donc prenez soin de votre santé avant tout et le travail. Ah, c'est... Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous aime de tout mon cœur. Et vous savez quoi? Il n'est jamais trop tard pour choisir son camp. Bye.